Bonjour mes clochettes, comme je suis contente de vous retrouver pour la présentation d'un calendrier de l'Avent que j'avais très très mais très très hâte de recevoir, de découvrir, de vous présenter parce que c'est la première année que je le découvre. C'est un calendrier de l'Avent que je me suis acheté vite avant qu'il soit en rupture de stock. Il s'agit du calendrier de l'Avent Cosy Luminous. C'est une box que je vous présente tous les mois, une box d'intérieur, et vous savez mon amour pour cette box si vous me suivez. Dans cette box, vous retrouvez en fait tous les mois trois produits pour votre intérieur. Donc tout tourne autour des lunaisons et de la lithothérapie. Donc vous avez en fonction des mois des pierres différentes. Et dans chaque produit, vous avez également ces petites pierres. Donc vous retrouvez pour ce qui concerne la box une bougie, un diffuseur et également un fondant. Et donc là, dans ce calendrier, au vu du format, je pense qu'on a des petits formats. Franchement, je découvre en totalité avec vous. Je ne me suis pas du tout fait spoiler. Et c'est parti. Ce que je vous propose, c'est qu'on découvre. Donc tout d'abord, quand j'ai reçu mon calendrier, j'avais un joli petit papier de soie comme ça, super brillant. On est toujours dans cette féerie typique de chez Cosy Luminous. Donc ça, c'était un petit papier de soie que je vais garder précieusement. D'ailleurs, je crois que vous avez mon code de marrainage en description de vidéo si ça vous intéresse pour la box. Concernant ce calendrier, alors je vous devance, il n'est plus dispo, il n'y aura pas de réassort. Cette vidéo a pour but de vous faire rêver tout d'abord, mais pas que, également vous décidez peut-être à vous abonner ou pas. Et je me dis peut-être que pour l'an prochain, vu que c'est un calendrier qui part super super vite, vraiment il est parti en deux temps, trois mouvements. Et eh bien, je me dis que pour l'année prochaine, ça pourra vous donner une idée à savoir si vous souhaitez le commander ou pas, sachant que cette vidéo sera peut-être vue en 2024 pour pouvoir vous décider. Donc, bienvenue 2024, je suis en 2023, je suis la Chloé du passé. Bref, petite parenthèse, on s'est compris? N'importe quoi. Oh, je délire. Bref, on s'est compris. Concernant le calendrier de l'Avent, il est vraiment très très beau. Regardez, elle a vraiment fait les choses très très bien. C'est une créatrice française. Oh, ça sent trop bon. Oh là là, ça sent de là. C'est une créatrice française qui met beaucoup de cœur dans toutes ses créations. Elle fait tout à la main, etc. Et le calendrier est trop beau. Donc là, vous avez le logo Cosy Luminous qui correspond tout à fait à mon univers. C'est très féerique, très lunaire, rêveur, voilà, magie, tout ce que j'aime. Il est noté Merveilleux Noël et c'est un calendrier qui est en carton dur, hein. Donc vous allez pouvoir le réutiliser et vous avez des petites cases comme ça, soit que vous pouvez casser, mais si vous souhaitez le réutiliser, que vous pouvez également ouvrir comme ça. Donc c'est très bien fait en tout cas, on a même des petites encoches pour les doigts. Et bien ce que je vous propose, c'est qu'on le découvre ensemble. J'ai reçu avec un petit papier comme ça. Calendrier de l'Avent merveilleux de Noël, attendons la venue du Père Noël avec la magie Cosy Luminous. Je vous lis un petit peu le teasing. Chaque jour vous réserve une révélation spéciale. Découvrez les pierres qui sont en harmonie avec les 12 énergies lunaires, en symbiose avec les positions astrales. Une célébration de l'alignement entre la nature et les mystères du cosmos. Et pour couronner ce conte féerique, le 24 décembre dévoilera la pierre des vœux. Une pierre spéciale qui couronnera votre Noël d'un éclat particulier. Rendez-vous sur notre site pour découvrir les bienfaits de chaque cristaux. Eh bien, je vais me spoiler immédiatement parce que je ne peux plus attendre. C'est parti, nous allons commencer immédiatement avec la case numéro 1. Je vais lui faire un petit peu de place juste là. Ce sera quand même plus agréable de le voir en visu parce qu'il est tellement joli, éclatant. Donc je commence immédiatement avec la case numéro 1. J'ai également les odeurs sur mon papier. Et nous commençons avec une odeur tartelette biscuit de Noël. Donc je pense en fait qu'on n'aura que des fondants dans ce calendrier. Et vous avez donc les pierres apparemment sur le site, hein. N'hésitez pas à aller voir, mais c'est trop beau. Je crois que c'est de la labradorite. Je commence un petit peu à me former, hein, au niveau des pierres. Grâce à Cosy Luminous, ça sent très bon. Ça sent vraiment le biscuit de Noël, hein, c'est super, super doux, c'est gourmand, ça sent très très bon. Pour la case numéro 2, en tout cas ce que je peux vous dire c'est que ça embaume. Waouh, ça sent trop bon. Je vais arrêter de vous montrer les cases parce qu'en fait, oh mais non, on n'a pas que des fondants.
Oh, trop bien, mais je suis trop contente. Regardez, on a une petite bougie, c'est du verre avec un bouchon de liège. Donc c'est vraiment de la super qualité. Mais là, je suis super contente. C'est une bougie, une mini bougie en pain d'épices. Et vous avez également des petites pierres à l'intérieur. Mais alors, je suis trop contente. J'ai tellement confiance à la marque que j'ai même pas regardé. J'ai pris. Ça sent trop bon. C'est exactement ça. Ça sent vraiment très très bon. Délicieux. Ça en donne l'eau à la bouche. Case numéro 3. Et là, ce serait tartelette chocolat chaud. Ah, mais on a en plus. Regardez. C'est trop mignon. D'autres pierres encore. C'est trop beau. Ça sent vraiment très très bon. C'est ça. Alors là, vous allez passer un mois de décembre, mais tout en cocooning. C'est très gourmand. Pour la case numéro 4, on a à nouveau une bougie. Je suis trop heureuse, vraiment. Trop heureuse de ce calendrier. Oh, c'est trop beau. En plus, à chaque fois, on a des petits dessins différents. Et donc là, c'est une bougie nougat blanc. Alors ça sent trop bon. J'aime beaucoup. Et là, on a ce style de pierre à l'intérieur. En plus, c'est bien parce que c'est vraiment des petites bougies que vous allez pouvoir utiliser en fait pour votre soirée. Donc tous les soirs, vous allez avoir soit un fondant ou une petite bougie pour passer votre soirée. Vraiment, le calendrier, il est magnifique, hein. Case numéro 5, moi je vais me le garder. Et nous avons là, en fait, elle alterne entre fondant et bougie. Nous avons un fondant. Ah, c'est ça sent le cookie. Une tartelette cookie. Amazonite. Ça sent trop bon. Pour la numéro 6. Donc une bougie, logiquement. Oh, bougie sucre d'orge. Une odeur que j'adore. Et là, waouh, trop joli ces petits dessins. C'est vraiment très réussi. Hein. Ce calendrier est dingue. Ah, je suis désolée pour vous si, vu qu'il n'en reste plus. Ça sent le sucre d'orge, mais à plein nez. C'est totalement ça. J'ai l'impression qu'elle a fait fondre du sucre d'orge dans cette bougie. C'est dingue. Mais du coup, je vous disais, je suis assez déçue qu'il ne reste plus de calendrier pour vous. Par contre, n'hésitez pas à vous abonner au box parce que ce sera une manière de découvrir la marque et d'avoir des pépites chez vous tous les mois. Jour numéro 7. Ah, là, on a la brioche de Noël. Alors, il y a des petites pierres comme ça qui tombent au fond. Hein. Pensez à les garder parce qu'après, vous pouvez les réutiliser. Je pense qu'elle a mis également sur le site une manière de recharger vos pierres, la connaissant. Ça sent trop bon. Et pourquoi pas, à la fin du mois, enfin jusqu'au 24, récupérer toutes les petites pierres et mettre dans un petit pot de bougie. Ça peut être très joli. Jour numéro 8, bougie biscuit de Noël. Et là, ça sent trop trop bon. Je pense que là, nous avons des bougies en pierre de lune. Ouais, je pense qu'on en a quelques-unes. Oh, ça sent trop bon. Oh, ça donne faim. Pour la case numéro 9, tartelette pain d'épices cette fois-ci. Ça sent trop bon. J'aime beaucoup. Ça sent bien la cannelle. Les pierres là sont magnifiques, celles-ci. Oh, ça va bien avec les yeux verts. J'adore. Pour le jour numéro 10, nous avons une bougie chocolat chaud. Je vais essayer de découvrir l'odeur d'après. Je ne sais pas si je vais réussir à attendre le mois de décembre. Allez, c'est bientôt, sois forte. Tiens jusqu'à décembre. Mon petit démon me dit, non, Chloé, vas-y, essaye ce soir. T'as trop hâte. Non, non. Je pars en vrille là. Alors, on a dit que j'allais essayer de deviner pour la numéro 11. Ah, ça sent une odeur que j'ai sentie tout à l'heure. Je crois que c'était le nougat. Est-ce qu'on n'a pas eu le nougat? On a eu nougat. Ah ouais, mais c'est ça. Tartelette nougat blanc. C'est exactement ça que ces pierres noires là. C'était pas les mêmes pierres d'ailleurs qu'on avait eues dans le nougat, je crois. Hein. Donc logiquement, je pense qu'on aura la même odeur pour une bougie et une tartelette. Dans tout le calendrier, je pense que c'est ça. La numéro 12, nous avons une bougie cookie de Noël. Donc on a eu cookie déjà tout à l'heure. Elle se présente comme ça. Trop mimi. Et on a ces pierres bleues là. Oh, trop belles. Elles sont trop bonnes. Numéro 13, jour de naissance de mon fils. Et là, c'est... Oh! La tartelette sucre d'orge, laquelle je vais brûler ce soir. Non, attends décembre! Faut me supporter jusqu'à la fin de la vidéo. Oh, j'adore cette odeur. Je crois que c'est ma préférée du calendrier. Ah, oh, d'ailleurs, j'ai trop hâte de découvrir la box de décembre. Oh,
Mais vous ne pouvez pas imaginer, je pense qu'elle sera mais à tomber. Pour la numéro 14, on a une bougie brioche de Noël. Donc, c'est bien ça. Oh, j'ai pas de petite étiquette là. Bon, mais écoutez, c'est pas grave. Oh, celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Oh, ça sent trop bon. Trop belle, cette petite pierre. Fait rêver ce calendrier, vraiment. Pour la numéro 15, nous avons une tartelette biscuit de Noël. Cette pierre-là, je la trouve vraiment très, 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 très belle. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en plus, on a vraiment que des odeurs de Noël. Hein. Donc, elle a fait les choses, mais très, très bien, comme à son habitude. Case numéro 16, et là, nous avons une bougie pain d'épices. Ça sent super bon. Ça sent fort la cannelle. J'aime bien. Pour le jour numéro 17, nous avons une tartelette chocolat chaud cette fois-ci. Toutes les pierres sont très très belles. Alors, il y a des petites pierres qui sont plutôt roses. Ah ouais, là ça se voit mieux. Ouais, elles sont très très bons. Alors par contre, attention, votre calendrier de l'Avent, ne le laissez pas près d'une fenêtre ou voilà, près d'une source chaude de chaleur. Parce que sinon, comme vous avez des fondants et tout, ce serait dommage que ça fonde. Pensez à le garder bien à l'abri de la luminosité, etc. En attendant le 1er décembre. Case numéro 18, j'ai une bougie nougat blanc. Elle est comme ceci. Enfin, à chaque fois, je vous montre. Hein, c'est toujours le même packaging, mais c'est surtout les petites gommettes. Là, je trouve ça trop joli. C'est un détail, mais j'aime bien. Ouais. J'ai trop hâte. Pour la 19, nous avons la tartelette cookie, comme ceci. La 20, oh, bougie sucre d'orge. Mais attendez, c'est pas le troisième sucre d'orge qu'on a eu. Bougie sucre d'orge. Et oui, je l'ai deux fois la bougie sucre d'orge. Et ouais, j'avais pas fait attention. En fait, il y a des trucs que j'ai en double du coup. Biscuit de Noël. Biscuit de Noël. Biscuit de Noël. Ah oui, en fait, on a les produits en double. Donc là, je pense que ce sera les mêmes. Hein. Du coup, j'avais pas fait gaffe. Donc là, on a à nouveau la sucre d'orge. Pour la case numéro 21, nous avons là la tartelette biscuit, brioche de Noël. Pour la 22, j'ai la bougie cette fois-ci, biscuit de Noël. Les pierres, c'était... Ah, je les avais pas vues ces pierres-là, je crois. Je crois que c'est la première fois que je les vois, par contre, celle-ci. Peut-être que les pierres diffèrent, du coup. La 23, on a la tartelette pain d'épices. Elle est comme ceci. Et pour la dernière case, nous avons la bougie chocolat chaud. Donc, regardez la petite gommette Noël. Elles sont très, très bons. Eh bien, mes clochettes, ça y est, nous avons terminé l'ouverture de ce calendrier de l'Avent Cozy Luminous. Alors, je vais vous donner mon avis en toute objectivité. Déjà, je trouve que le packaging est vraiment mais magnifique. Le carton, là, est assez solide. C'est vraiment un calendrier que vous allez pouvoir réutiliser ou même en déco, hein, dans votre crèche ou votre sapin, dans la déco de Noël. Il est mais vraiment magnifique. Encore une fois, il est super bien réussi. Il est très, très beau. J'adore. Concernant le contenu, bah écoutez, je suis très contente et surprise. Je pensais m'attendre à que des fondants, mais non. Nous avons des fondants et des bougies, donc encore une fois, très contente. Je retrouve l'esprit vraiment de Cozy Luminous avec ses odeurs qui m'enivrent, me transportent vraiment dans un univers, un contexte si particulier. Bah là, en l'occurrence, Noël avec toutes ses odeurs. Je retrouve également toutes ces pierres avec le pouvoir des pierres, la lithothérapie, je suis vraiment transportée, c'est enchanteresque, c'est noélique. Les points négatifs maintenant, je trouve que la dernière case, bah, c'est dommage de ne pas avoir vraiment une case exclusive, avec une odeur exclusive et un format plus gros. Moi, c'est ce que j'aurais apprécié en tant que consommatrice. Et deuxième point négatif, je suis ok pour avoir une odeur similaire, tartelette bougie, ça c'est très bien, mais en double tartelette même odeur et en double bougie même odeur, ça je trouve ça un petit peu dommage, j'aurais apprécié retrouver d'autres odeurs. Donc tartelette et bougie une fois une odeur ok, mais après d'autres odeurs j'aurais beaucoup plus apprécié, même si voilà ce calendrier moi j'en suis très contente parce que c'est que des odeurs que j'aime, donc je suis contente de les retrouver en double voire en 4 hein, pour le coup. Sur tout ce mois de décembre. Dites-moi ce que vous en avez pensé.
pensez de ce calendrier? Est-ce que vous l'avez commandé? Est-ce que vous regrettez peut-être? Est-ce que ça pourra vous décider à le prendre l'année prochaine peut-être? Ou au niveau de la boxe, n'hésitez pas également à aller voir mes vidéos si vous ne les connaissez pas encore. Et bien là, vous serez conquise. Vous avez vraiment des formats full size, une grosse bougie, un gros diffuseur. Là, par exemple, c'est un diffuseur de la Cozy Minous, un packaging à l'échange parfois qu'elle avait fait. Ça embaume bien, c'est de la qualité. Voilà, cire naturelle, des mèches en coton. C'est super joli, c'est féerique, ça sent bon, c'est des odeurs uniques, une créatrice unique. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie à la découverte de ce calendrier, que ça aura pu vous faire passer un excellent moment en attendant bientôt le 1er décembre. Nous allons enfin pouvoir ouvrir nos calendriers de l'Avent. Je m'en suis gardé quand même quelques-uns. En perso, joli Bibi et son mini, j'ai pris le Kinder pour mon fils et je me suis gardé également celui-ci que je me garde jalousement de côté. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore le miel. Donc voilà, je m'en suis quand même gardé deux côtés. Un pour mon fils et moi, celui-ci rien que pour moi, et le Kinder pour mon fils. Je vous fais de très très gros bisous mes clochettes et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!